C'est un grand week-end qui attend Georges, Charlotte et Louis. Le trio se prépare à fêter, avec le reste des Britanniques, le sacre de Charles III, ce samedi 6 mai. Un événement qui marquera un coup sur l'histoire, lorsque le fils d'Elisabeth II sera couronné en l'abbaye de Westminster, 70 ans après sa mère. À Londres, tout le monde s'impatiente en attendant la cérémonie. Mais les enfants de la princesse Catherine et du prince William ont eu un avant-goût de ce qui les attend demain. À la Lambrook School où ils sont tous trois scolarisés depuis leur déménagement du palais de Kensington à Adelaide Cottage à Windsor, les petits-enfants de Charles III ont eu droit à une fête de pré-couronnement, a indiqué la princesse de Galles lors de son passage au pub Dog & Duck à Soho hier, sans donner plus de détails sur l'événement. George, Charlotte et Louis ont donc pris de l'avance sur les festivités de ce week-end. Demain, le tous trois prendront place, à côté de leurs parents, en l'abbaye de Westminster pour assister au sacre de leur grand-père. Une expérience qui n'avait pas emballé Charles III lorsqu'il assista au sacre de sa mère, le 2 juin 1953. Dans cette même abbaye de Westminster, le regard du jeune prince Charles avait été capté par les caméras du monde entier. Sur l'objectif, le fils d'Elisabeth II apparaissait impassible, voire ennuyé. Tout juste âgé de 4 ans, le futur monarque ne saisissait pas encore l'ampleur de l'événement. Il ne fait aucun doute que, ce samedi, Charles III aura un ressenti différent. Supérieur à supérieur à Charles III, de prince héritier à roi d'Angleterre, retour sur sa vie en images. Quel rôle pour George, Charlotte et Louis? Si les enfants du prince et de la princesse de Galles assisteront tous les trois au sacre de leur grand-père ce samedi, le prince George sera le seul à jouer un véritable rôle lors de l'événement. Âgé de 9 ans, l'aîné de Kate et William, deuxième dans l'ordre d'accession au trône, portera, avec d'autres pages, la robe de couronnement du monarque britannique. La princesse Charlotte, âgée de 8 ans, et le prince Louis, qui vient de fêter ses 5 ans, qui ont été jugés trop jeunes pour tenir un véritable rôle lors de la cérémonie, regarderont leur frère depuis les bancs de l'abbaye de Westminster. Article écrit en collaboration avec Cimedia Crédit Photo. The Princess of Wales Instagram via Best Images.